Merci beaucoup d'être venu à nouveau, d'avoir répondu à l'appel pour cette table ronde du triple actif et cybersécurité, donc la France face au défi de la blockchain. Alors nous allons évoquer trois thèmes pendant cette table ronde, blanchiment d'argent, financement du terrorisme et escroquerie liée aux crypto-actifs. Tout d'abord, merci aussi à Coinbase d'organiser cet événement. En plus, ils ont une belle journée aujourd'hui, puisqu'ils viennent de lever 2,4 millions d'euros. Voilà pour la petite intro. Donc, pour participer à ce débat, donc, je vais accueillir donc, les quatre intervenants. Donc, vous pouvez suivre ma pointe, je vous assois. Alors, nous avons donc Geoffroy Cailloux, bonsoir. Vous êtes chef du bureau épargne et marché financier à la direction générale du Trésor. François Xavier, vous êtes CEO d'Arc Ecosystem, de la blockchain, et vous avez été auditionné dans le cadre de la mission sur les monnaies virtuelles à l'Assemblée nationale, que vous avez d'ailleurs toujours le rapport. Nous avons Thierry Pézenec, qui est commandant de police au sein de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, donc vous traitez des dossiers sur blanchiment d'argent, financement de terrorisme, escroquerie et fraude communautaire. Et enfin Nicolas Louvet, où vous êtes CEO de Coinbase. Donc nous trouvons. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Déjà peut-être avant de commencer, je voulais juste sortir un chiffre qui est donc qui est issu du rapport Tracfin, qui est sorti donc fin et donc Tracfin a reçu 250 déclarations de soupçons qui concernent directement l'usage des crypto-actifs. Ça représente en fait grosso modo 0,4% du total des déclarations de soupçons. Donc, il y a quand même quelques chiffres. Certes, il est en hausse de 44% par rapport à l'année 2016, mais il reste. Quand même encore une minorité, et à noter que effectivement, ces déclarations de soupçons proviennent directement des établissements financiers. Voilà, c'était juste pour le contexte, et puis on va voir ce qui se passe un petit peu dans la réalité. Déjà, on va commencer avec effectivement, le premier sujet sur donc, le blanchiment d'argent. Peut-être première question assez simple. Je vais adresser à Nicolas et au commandant Lemaitre. Est-ce que voilà, vous avez déjà détecté, l'un l'autre, des cas de blanchiment d'argent, ou en tout cas des tentatives de blanchiment d'argent qui sont liées au crypto-actif? Commence. Bonsoir à tous. Donc, on a déjà détecté des tentatives. On a plutôt détecté en fin d'année 2017. Début d'année 2018, beaucoup moins en fin d'année dernière, essentiellement en effet des tentatives venant de l'étranger, notamment de Suisse, de Malte également, de Liechtenstein, avec des clients qui se présentent et qui n'ont pas nécessairement les preuves de l'origine des fonds et qui veulent réaliser de très grosses transactions. C'est le cas le plus évident qu'on ait eu. Mais ils se présentent comment? Alors, vous avez le contact sur la plateforme, rarement, mais soit vous avez des avocats qui vous appellent, soit vous avez des demandes en ligne d'achat ou de vente. Et donc ensuite, on a une équipe commerciale qui va démarrer une discussion. Qui vise toujours à établir le premier contact, à qualifier, et ensuite souvent on évalue les montants et le département conformité des risques chez nous entre dans la boucle. On demande toujours des justificatifs dès le départ aux gens en disant bien sûr par rapport aux transactions que vous allez faire, il va falloir apporter des justificatifs. La réponse est toujours oui, bien sûr. Mais ensuite, c'est dans les justificatifs apportés où là, vous avez des gens qui sont soit qui ne répondent plus, ça c'est la moitié des cas, ou alors qui apportent des justificatifs qui ne le sont pas. Mais c'est assez peu fréquent. Et c'est essentiellement des gens qui viennent de l'étranger. Ensuite, nous, on a des limites imposées par la plateforme
qui fait que vous ne pouvez pas faire de blanchiment d'argent parce que de toute façon, vous avez des statuts clients qui fait que vous ne pouvez pas arriver avec une carte bancaire ou nous envoyer un virement et obtenir pour 100 000 euros, 1 million d'euros ou 10 millions d'euros de crypto. Ça, ça n'existe pas. La plateforme, elle est bloquée, c'est-à-dire tant que vous n'avez pas rempli le statut suivant, il n'y a aucun moyen de paiement qui se déclenche. Identique pour les personnes qui viennent ici, vous allez vous retrouver face à un commercial. Soit ça va être quelqu'un en comptoir qui va de toute façon, si le montant dépasse 10 000 euros, va vous passer un responsable commercial. Et dans tous les cas, vous passez une procédure qui consiste à vous identifier, à demander un certain type de documents. Et dès que vous dépassez 10 000 euros, on vous demande un justificatif. Dès que vous dépassez 30 000 euros, on vous demande une deuxième pièce d'identité et on vous demande encore d'autres justificatifs. Donc en fait, c'est très très peu probable. Il y a beaucoup, c'est très manuel finalement, il y a beaucoup de manuels. En fait, c'est manuel à partir du moment où vous commencez à dépasser les gros montants. 10 000 euros, en dessous de 10 000 euros, on fait ce qu'on veut. Ensuite, de 10 000 euros à partir du moment où vous êtes authentifié, vous avez fourni vos documents d'identité, ouais. Et que vous payez avec des moyens virement bancaire ou SEPA en ligne, ça passe tout à fait bien. Parce qu'on a une preuve de domicile, on a un selfie de vous-même, on a mesuré tout un tas d'informations sur vous, on connaît votre adresse email, on a été vérifié, on a vérifié votre numéro de téléphone grâce à un check par SMS, on connaît votre adresse IP, on connaît les heures de connexion à laquelle vous vous connectez, on sait quel type d'ordinateur vous utilisez ou quel type de navigateur, on sait si vous êtes lié à n'importe quelle adresse IP, n'importe quel ordinateur, n'importe quel système qu'on a déjà traqué, on a tout ça en base de données, on mesure tout et ensuite on compare tout ça à un comportement. Vous avez ensuite un système automatique, c'est l'intelligence artificielle, qui vous dit bah, si vous êtes dans un comportement normal, moins normal. Et ça se passe très bien. En réalité, à 10 000 euros, il y a un blanchiment d'argent à 10 000 euros. Ce n'est pas vraiment le cas. La problématique, c'est en effet, dès que vous dépassez ces montants, dès que vous le dépassez, en fait, on vous demande de remplir un questionnaire. Et en fonction de ce questionnaire, avec ce questionnaire, on vous demande combien vous voulez faire comme type d'investissement, si vous voulez acheter, vendre et pour quel montant. Et en fonction de la réponse à cette question, on va vous demander des justificatifs. C'est-à-dire les justificatifs sont de plus en plus costauds, entre guillemets, selon l'importance du montant. Plus le montant est élevé, plus les justificatifs sont costauds. Oui, plus vous avez un montant important, plus les justificatifs vont être importants. Pas forcément en nombre, mais... C'est quoi les justificatifs? Par exemple, on a eu des cas encore assez récemment de quelqu'un qui va faire 200 000 euros. C'est une somme assez importante. Le premier justificatif, c'est le questionnaire. Le deuxième, c'est de vérifier qu'il a bien compris que ce qu'il faisait, quel type d'actif il achetait, pourquoi il le faisait. Donc, comprendre le rationnel, ça c'est important pour nous aussi. Parce que vous pouvez aussi avoir des gens qui vont être manipulés par d'autres. Et ensuite, le troisième point, bah, c'est le justificatif financier. D'où vient cet argent et qu'est-ce que cela représente par rapport à votre patrimoine. Du coup, dans le cas, c'était la cession d'une assurance vie, bon, bah, cession d'un produit financier pour acheter d'autres types d'actifs numériques que nous, on qualifie de crypto-actifs et d'actifs financiers. Voilà, l'argent vient d'une banque. Donc ça veut dire qu'il a déjà été authentifié par la banque, ça vient de la cession d'un produit d'assurance vie. La banque, elle est supposée avoir fait son travail. Et là, c'est juste un déplacement de support de placement, quelque part. Oui, là il y a ça se passe bien. Mais, et puis c'est facile, c'est la banque qui le coupe. Enfin, c'est facile, mais c'est eux qui le rendent. Oui, d'accord. Mais bon, à partir d'un certain... une certaine somme d'argent. D'où peut venir l'argent? Il vient souvent de cessions de produits financiers, de cessions d'immobilier. On a eu des gens qui ont acheté pour 800 000 euros. C'était la cession d'un immeuble à plusieurs millions d'euros. Ils ont mis 30% des gains dans les cryptos. Ensuite, vous avez toutes les entreprises aussi. On a des clients entreprises. Donc là, vous demandez le CADIS, le statut, et vous avez un justificatif qui est apporté par la nature d'entreprise et de son activité. Vous avez des gens qui ont des gros patrimoines, ou qui ont des gros revenus. Et donc là, vous pouvez justifier, on a une formule qui a été établie par le département de conformité,
qui justifie qu'en fonction de votre salaire, vous pouvez faire quel type de placement. Bon, en fait, je suis désolé, je vous donne un mot. Et pas pour les détails, il n'y aura pas de soucis. Ah. Donc, on va distinguer le micro-blanchiment et le micro-blanchiment. On va peut-être aussi dénaturer un peu le blanchiment en France. On parle de fond, on tourne les sommes énormes. En termes de blanchiment, on va faire le modèle. Pour l'instant, à l'office, on ne gère pas tous les dossiers financiers et judiciaires et blanchiment à l'office. Mais des remontées que nous avons de nos antennes, nos services, la crypto apparaît peu en marge de ces blanchiments en termes judiciaires. Alors, je ne fais pas de détection, ou la détection, on l'a, s'il y a une enquête en cours. Autant qu'on peut avoir du blanchiment dans crypto, par la crypto-monnaie sur du micro, d'achat de 10 000, de 5 000 euros en espèces ici au guichet, soit sur du micro, financement. On n'accepte pas l'espèce. C'est pas en gros, d'accord. Sur une autre plateforme à l'étranger. En France, c'est vrai que la législation est très sévère en matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme. On verra le terrorisme tout à l'heure. Mais en matière de blanchiment, elle est très sévère. Il y a d'autres pays européens qui sont beaucoup plus souples. Si vous avez du blanchiment à faire en matière de crypto-monnaie, vous irez dans ces pays qui ont une législation plutôt souple. Sur le micro, on peut en avoir du macro blanchiment. Faut se rendre compte que le blanchisseur et le criminel, on va parler de crypto organisé quand on est sur du macro blanchiment, ils veulent une valeur sûre. La crypto-monnaie, vous l'avez vu, notamment pour le Bitcoin, est une monnaie très volatile. Donc ils veulent une valeur sûre. Donc ils aiment beaucoup l'espèce. L'espèce, c'est l'euro. L'espèce, ça sera de l'euro ou du dollar, et ensuite, ce sera de l'or, voire du diamant. Donc ils vont rester sur des valeurs sûres. En macro blanchiment, à notre connaissance, j'en connais pas. Pourquoi ? Parce que c'est juste la crypto-monnaie est une monnaie virtuelle. Mais volatile. Et le blanchisseur, à une échelle assez importante, refusera de prendre ce support comme blanchiment d'argent. C'est mon point de vue. De 16 ans. On pourrait l'utiliser pour faire du transfert, du paiement, ceux qui doivent, ça peut être assez important d'une adresse à une autre. Et de l'utiliser en effet que comme un support pendant un certain temps. Après, quand je parle de macro, on est au-delà du million. Je vous donne un exemple. Le chiffre d'affaires du stupéfiant en France est 3,5 milliards d'euros par an. Je ne vois pas des sommes astronomiques pour avoir fait quelques équipes. Qui avait un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros par an, je ne les vois pas un seul moment investir dans la crypto-monnaie. Donc, conseil aux auditeurs, c'est ça ? Est-ce que c'est... je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais moyen. En tout cas, du point de vue des pouvoirs publics, on sait que le risque existe. Et donc, depuis le début, depuis qu'on s'est attelé à construire un cadre réglementaire pour les cryptoactifs en France, on a cette dimension bien présente à l'esprit. Elle est présente aux côtés notamment de la protection des consommateurs dans la catégorie risque. Et donc tout l'enjeu, c'est d'essayer d'arriver à équilibrer les risques, la protection contre ces risques et le fait de laisser un espace suffisant aux acteurs pour développer des solutions sur les cryptoactifs et pour proposer des innovations. Donc, je vais peut-être vous donner quelques exemples rapides sur ce qu'on est en train de faire. On a évidemment comme vecteur la loi PACTE, qui est en ce moment en discussion au Sénat, après une première lecture à l'Assemblée nationale, qui a
considérablement enrichi le dispositif crypto qui à l'origine devait porter que sur les ICO. Donc maintenant on a ICO et prestataire de services en actifs numériques, c'est comme ça qu'on dit, ce qui recouvre un grand nombre de situations. Dans les deux cas, on a été. Alors, la philosophie générale de ces statuts, c'est d'aller rechercher un label qui est optionnel auprès de l'autorité des marchés financiers. Ce qui veut dire qu'on n'interdira pas à ceux qui ne vont pas rechercher le label l'exercice de leur profession, soit l'émission d'un jeton, soit la prestation d'un service. En revanche, ceux qui auront obtenu le visa, ils figureront sur une liste blanche qui sera publiée par l'AMF. Donc d'un certain point de vue, commercialement, on crée une incitation à aller rechercher plutôt des prestataires labellisés que des prestataires qui ne le sont pas. Alors après, où est-ce que la lutte anti-blanchiment entre en jeu? Donc sur le plan des ICO, étant donné qu'on n'a pas de référentiel européen ni international, rien n'est obligatoire. En revanche, si on veut aller chercher le visa, dedans, il faudra satisfaire à certaines contraintes LCB-FT. Je mets ensemble lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Généralement, ça va de pair chez nous. Pour ce qui est des prestataires de services en actifs numériques, il existe un cadre européen, qui est celui de la quatrième directive révisée. Donc, la quatrième directive, en 2015, a été étendue en 2018 pour comprendre notamment deux types de prestataires de services en actifs numériques, que sont les exchanges crypto-fiat et les services de conservation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par conservation? C'est encore tout un débat. Ça, on en discute avec certains d'entre vous. Mais ce qui est certain, c'est que ces deux types de prestataires sont assujettis à la quatrième directive révisée. Donc, eux, ils feront l'objet de contraintes LCDFT obligatoires dans le cadre qu'on est en train de créer. Et tout le reste sera optionnel. Voilà. Alors juste peut-être, pardon si je suis un petit peu long, mais un dernier mot pour dire qu'en dehors de l'Europe, ces sujets sont également discutés au niveau international. On a le GAFI qui s'est attelé à ces questions et qui est lui-même en train de produire un certain nombre de recommandations qui sont analysées. Donc voilà, on verra ce qui en sortira. Évidemment, il faudra en tenir compte au niveau européen, au niveau français. François Denis, on parle souvent des crypto-actifs. Mais, on a vu qu'effectivement, il n'y avait pas tant de cas que ça, aujourd'hui en tout cas en France. Est-ce que, au final, les blanchisseurs n'utiliseraient pas d'autres cryptos qui seraient les cryptos anonymes? On parle de Monero, Zcash, qui là, contrairement au Bitcoin, qui lui est pseudonyme, c'est une façon simple, on va dire, de blanchir l'argent. Oui, donc merci Charlie de me demander de faire du conseil en blanchiment d'argent. Alors, je peux d'autant mieux le faire que je vais reprendre un peu les éléments du rapport TACFIN que j'ai évoqué tout à l'heure. On a vu du blanchiment à grosse dose il y a quelques années sur le Bitcoin. Je crois que le cas le plus connu, ça reste Silk Road, qui a été fermé, je le rappelle quand même, grâce au Bitcoin, parce que transactions ont été analysées par le FBI et assez rapidement ont réussi à faire pas mal de liens, à tel point qu'un des leaders de la communauté Bitcoin qui s'appelle Charlie Schrem a été pincé en analysant ses transactions et a fait 13 mois de prison suite au démantèlement de son site. Ça a été un cas assez impressionnant, ce qui fait que, avec le temps, ceux qui ont pensé blanchir l'argent via des crypto-monnaies comme Bitcoin ont diminué, et je pense que voilà, on aura toujours du cas du blanchiment d'argent qui est plutôt du noir ou de la petite évasion fiscale comme on a par ailleurs, mais ça s'arrêtera là. En revanche, de fait, il y a d'autres champs de crypto-monnaies nommés par TracFin, Monero, Zcash et compagnie, où ces technologies permettent notamment de cacher les sommes dans les transactions. Et de fait, si je devais être quelqu'un qui voulait faire du blanchiment d'argent, le modèle serait assez simple. Ça serait de rentrer de l'argent dans le système de crypto-monnaie par un acteur centralisé peu régulé, donc d'aller dans des pays où la régulation des échanges en crypto-monnaie serait peu mal ou pas du tout appliquée, puis passer par ce genre de crypto-monnaie,
la revendre sur des plateformes d'autres acteurs, peu régulés, et la ressortir d'une autre façon. Alors, ça a des limites. Ce genre de monnaie a très peu de volume. Donc, si vous voulez blanchir un milliard, vous allez exploser soit la valeur de la monnaie, soit la détruire. Donc, vous ne pourrez pas non plus, encore en tout cas aujourd'hui, passer des grosses sommes. L'autre élément, c'est ça se base aussi sur le fait que les échanges ou tous ces écosystèmes un peu nouveaux, on ne sait pas trop comment les réguler, ne sont pas encore très bien régulés. Alors, les grosses plateformes qui ont des volumes sont évidemment maintenant aux États-Unis, dans des pays où la régulation s'est faite de plus en plus forte, notamment même carrément les plateformes se sont auto-régulées, parce qu'elles ont bien compris, à tel point que je crois que pas mal de personnes peuvent témoigner que par rapport aux éléments qu'on demande dans les banques, les éléments qu'on demande dans les plateformes sont beaucoup plus difficiles à passer et beaucoup plus, strictement appliqués. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire sur ces éléments. Merci. Centre Nation va passer au cas du financement du terrorisme aussi. On a vu pas mal d'histoires aussi dans la presse, notamment avec les attentats qu'on a connus. Il y en a une, j'en ai relevé une assez récente avant les vacances de Noël, qui est donc le département américain de la justice, qui a dévoilé donc une femme a fourni un soutien matériel au groupe État islamique en utilisant notamment des bitcoins. Elle a fait une fraude à la carte de crédit, etc. Elle a acheté des bitcoins et ensuite, elle a pas envoyé ses bitcoins comme ça et elle a dû faire quand même un virement traditionnel. Pour montrer effectivement que c'est juste une partie. Même question, encore une fois, à vous deux, mais est-ce que vous avez eu, pareil, détecté des cas, ressenti des cas, financement terroriste n'est pas récupéré ? Je pense. Pas encore en France, c'est sûr. Alors, le cas américain, je l'ai vu aussi. C'est vrai que c'est juste un passage, en fait. C'était juste un vecteur de transformer en fait, un premier virement. Pour alimenter un portefeuille, puis les bitcoins ont été achetés, ont été de nouveau transférés sur par virement, après une vente sur un autre compte bancaire, et ensuite un virement vers l'État islamique, vers un membre de l'État islamique. On parle de financement du terrorisme, et toujours est-il que le financement du terrorisme, on va aussi arrêter de parler du macro-financement. On va aussi parler un peu de micro-financement. Le financement du terrorisme a lieu sur du microfinancement pour la plupart du temps. Quand vous prenez les attentats qui ont touché la France, les derniers attentats depuis 2015 qui ont touché la France, on est vraiment, en 2012, on est à moins de 10 000 euros d'investissement de financement pour commettre des attentats. Et c'est sur juste qu'en fait que beaucoup de transactions soient dans cartes prépayées, anonymes, soit des retraits d'espèces, des comptes bancaires. Pour manquer à eux-mêmes alimenter, soit par des salaires, soit par des prestations sociales. On reste encore sur du basique, classique. Nicolas ? Je vais aller dans ce sens. Il y a d'un côté un problème qui est le financement du terrorisme, qui est réel, qui est peut-être dramatique. Mais il y a, autre part, dans l'environnement économique, une évolution technologique et l'existence de crypto-monnaies, crypto-actifs. Les deux ne sont pas forcément liés, enfin, je ne vois pas le lien. J'ai entendu à la radio cette semaine chez un de vos confrères que dans quelques temps, on pourra assez facilement construire avec une imprimante 3D une arme. On peut déjà faire. Mais pour un coût raisonnable de l'ordre de 250 euros. Vous pouvez construire une arme un pistolet avec tout ce qu'il faut. Si vous récupérez un fichier qui permet de le faire, vous n'avez pas besoin de fournir un document d'identité pour vous procurer une arme et tuer quelqu'un. Ça, c'est aussi du terrorisme. Et ce qui s'est passé à Strasbourg, ce qui a été dramatique, ça s'est fait à partir d'un matériel relativement simple et qui ne coûte pas très cher. Mais ça, la problématique, elle n'est pas liée à la crypto-monnaie. Elle est liée à, le premier problème, c'est,
c'est les espèces et c'est même la fraude aux documents. Parce que nous aussi, on a des... très préoccupé par la lutte contre le blanchiment d'argent, mais on est également très préoccupé par la lutte contre la fraude. On a, c'est d'ailleurs ce qui nous occupe le plus dedans, c'est d'essayer de comprendre si le client est vraiment ce qu'il dit être. Et en fait, il n'est pas là pour financer une œuvre terroriste. En tout cas, on ne le souhaite pas, on ne l'espère pas, et on met en place des vérifications supplémentaires. Et on a quand on a des interrogations, on fait les mesures nécessaires pour informer les services compétents, mais la raison, c'est souvent l'utilisation d'une carte volée pour faire un achat délictueux ou pour juste pour voler de l'argent. C'est plus ça la difficulté. Autre chose peut-être. Oui. Alors je vais mettre au conseil de financement du terrorisme. Non, blague à part, on a vu quelques éléments intéressants dans la crypto depuis un bout de temps. Souvent, dans le terrorisme, on a le problème de pouvoir transférer de la valeur, en général. Je dis rien à la fois. En fait, on a eu des cas, par exemple, où un groupe a décidé de créer sa propre crypto-monnaie, ex nihilo, en utilisant Bitcoin, avec l'idée que tous ceux qui supportent l'État islamique, en achète, fasse monter la valeur, augmente les volumes, et un élément de séquestre, de compensation des valeurs, complètement indépendant de n'importe quel système, pour pouvoir échanger sur cette crypto-monnaie. Donc ça, on a vu ça, ça n'a pas marché. Alors il y a aussi des mécanismes, par exemple, aussi, où un compte spécifique, on ne sait pas qui, mais on imagine bien que c'est quelqu'un qui veut du bien, prélève, donc inscrit dans le mécanisme, 10% de chaque transaction, du reward des blocs, directement sur un compte particulier pour alimenter une activité, enfin en tout cas en termes de valeur. Et c'est vrai que si on y pense bien, à partir du moment où vous avez suffisamment de personnes qui adhèrent au projet, qui, comme n'importe quelle crypto-monnaie, si vous voulez, qui adhèrent au projet et qui adhèrent à l'idée et à ces éléments, on peut imaginer qu'elle peut avoir de la valeur et commencer à faire ça. Donc ça, on a vu ça, je n'aimerais pas le nom, mais c'est... Il faut quand même un moyen de cachage à un moment de cette monnaie. Non, parce que si tout le monde y croit, on peut faire la compensation entre eux. À partir du moment où toi, tu acceptes du bitcoin et j'accepte du bitcoin, on n'a pas besoin de passer par un élément. Donc ça, c'est un élément... Un peu comme avec le vire suisse. Je ne connais pas le vire suisse. Le vire suisse, ce n'est pas une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui a été créée après la crise de 1929 en Suisse et qui permettait à des entrepreneurs ont créé cette monnaie pour faire une monnaie d'échange fonctionnant en dehors du système monétaire suisse, mais également. C'est pas la même chose, parce que là, il y a une contrepartie. À mon avis, une contrepartie qui était de l'or ou je ne sais pas quoi, mais sans... Là, vraiment, il n'y a pas de contrepartie, autre qu'il y a suffisamment de gens qui donnent de la valeur à ça et qui sont prêts. Toute troisième partie, on va enchaîner, que leur face. Sur les escroqueries, c'est peut-être le gros sujet, parmi les trois. On va le voir. Encore une petite illustration. L'AMF a recensé donc plus de 700 épargnants français donc victimes d'escroqueries en ligne de vente de faux bitcoin en 2018, avec une perte qui s'élève à 31 millions d'euros. Donc c'est un chiffre. À prendre aussi avec des pincettes, puisque tout le monde ne va pas forcément porter plainte. Quand on parle d'escroquerie liée aux cryptos, en fait, de quoi on parle exactement? Est-ce que vraiment, à un moment, les cryptos entrent en jeu ou pas? Non, en fait, les groupes criminels organisés qui ont utilisé le vecteur du bitcoin et ont surfé sur la vague de la montée en puissance du bitcoin à la fin 2017. Et en termes judiciaires, nous avons vu les premier plaignant en octobre 2017. Et dès qu'on a vu cette vague de premier plaignant en 2017, jusqu'à ce jour, on a centralisé l'ensemble des faits et à ce jour, on est à
40-45 millions d'euros de préjudice. Du plaignant à ça, 1000 euros jusqu'au plaignant à 1,5 million, 2 millions d'euros. Ça fait mal, là. Oui. Oui, parce qu'en fait, on a affaire à des escrocs, des professionnels hein, de l'escroquerie, qui en fait créent des sites internet ou des ingénieurs informatiques qui proposent des sites internet clés en main, ces escrocs, et qui proposent de l'achat de bitcoin, la plupart des gens sont bitcoin, hein, parce que c'est la valeur qui compte la plupart. Les personnes pensent que crypto-monnaie pense bitcoin. Et ils ont voulu donc proposer des investissements à sur un mois à 10, 20, 30, 40%. On a vu même des plaintes, des propositions à 820% de rendement en 3, sur un trimestre. Et comment, ça, comment en fait la fraude fonctionne? C'est très simple. C'est très simple. Ils vont trouver d'abord par du phishing un client, une potentielle victime. Ils vont lui proposer par téléphone de regarder sur le site, qui est la plateforme qui a été créée sur Internet. Ils vont lui proposer un premier investissement, 1 000, 2 000 euros. Donc la personne va investir, 1 000, 2 000 euros. Un virement va avoir lieu de son compte bancaire personnel sur un compte forcément la plupart du temps à l'étranger. Forcément cet argent disparaît. Trois semaines plus tard, la plupart du temps, trois semaines, quinze jours, trois semaines plus tard, l'escroc rappelle la victime en lui indiquant que son investissement a rapporté beaucoup d'intérêt et lui fait sur un 1 000 euros par exemple d'investissement, lui propose 500-600 euros de retour. C'est 500-600 euros qui reviennent sur le compte bancaire. Une fois que la personne a constaté que son investissement est intéressant, tout comme, comme n'importe quel Français, il se dit peut-être que finalement j'ai un placement qui peut être rentable à court terme, sachant que sur dans les établissements bancaires classiques et du placement, si on arrive sur du placement à 3, 4, 5% même en bourse, on est bien heureux. Quand là, l'escroc vous propose 80, 100% de rendement avec une assurance de départ garantissant le capital misé, les gens ensuite investissent. On a vu des gens qui investissent le patrimoine d'une vie, vendent leur propre maison pour investir le produit de la vente dans la crypto. Des gens partir à la retraite avec un beau pactole et puis se rendre compte finalement que deux mois, trois mois plus tard, ils se sont fait arnaquer par des individus. Alors la grande difficulté, dans ce type de dossier, la plupart des victimes ont honte de ce qui s'est passé. Donc on a un certain nombre de plaintes, peut-être la face émergée de l'iceberg. J'entends aussi des chiffres mirobolants sur l'ensemble des préjudices, que ce soit aux États-Unis, en Belgique. Oui. Moi, je me table sur ce que je constate, sur du factuel. À ce jour, on a 40 millions d'euros de préjudices. C'est beaucoup trop, bien sûr. D'où l'intérêt des pouvoirs publics et de l'AMF notamment, d'avoir effectué beaucoup de prévention, d'avoir créé des listes noires. De plateformes frauduleuses et donc liste noire qui s'agrandissent et qui s'allongent de jour en jour dans la mesure où l'escroc il connaît nos enquêtes, il sait qu'il y a certaines enquêtes en France voire ailleurs et il s'adapte et donc la plateforme qui est frauduleuse aura une vie d'existence très courte, un mois, deux mois grand maximum, et un mois, deux mois en fait c'est le temps, voire même pas le temps encore que la victime s'est rendue compte que c'était fait à voir. Et chez Coinapps, alors est-ce que vous avez eu effectivement, ça représente une part importante pour assez dans le marché? Oui, alors nous on a été frappé quand même de plein fouet, donc tout ce que vous avez décrit, on le connaît par cœur, on l'a vu, on a eu d'ailleurs à vivre une situation assez délicate puisque en décembre 2017, on a intercepté notre ligne téléphonique. Un groupe dont on a maintenant l'identité s'est fait passer pour Orange et a appelé en disant qu'il y avait un problème d'innovation dans les locaux et a détourné la ligne, qui est un numéro en 01, sur un portable. À l'époque, on avait un appel toutes les 4 minutes. Et on s'en est aperçu que dans la soirée, puisqu'il y avait
énormément en fait, de transactions à gérer ce jour-là. Et on s'en est aperçu parce qu'une de nos clientes nous a rappelé en nous disant « C'est bizarre, c'est la première fois que vous me demandez de faire une opération de 100 000 euros par téléphone. » Et là, on s'est dit « Oula, il y a un problème. » Et en fait, on a appelé notre propre numéro et je suis tombé face à Nicolas Louvet. Ça fait drôle. Ça fait vraiment très drôle. Il avait détourné votre 06 ? Non, il avait détourné mon numéro de téléphone, il se faisait passer pour moi. C'est un autre Nicolas. Et c'était pas très agréable. Donc on a bien sûr mis fin, mais ça a mis énormément de temps. Ils ont récupéré surtout tout un fichier client dans la journée, qu'ils ont rappelé et travaillé. Donc ça a été compliqué. Ils ont continué à rappeler les gens, même après que cela ait fait des plaintes. Donc, et ensuite, et bien évidemment, avant, on avait constaté un certain nombre de sites frauduleux. On a été les premiers. Et je tiens à remercier notamment Sandrine qui est directrice de la conformité et puis Brian qui est responsable du marketing d'avoir justement mis en avant des articles qu'on a publiés sur nos sites pour expliquer aux gens attention, il n'y a pas de démarchage, le Bitcoin n'a pas une croissance comme ça, ce n'est pas un produit financier qu'on achète sur du papier. Si quelqu'un ne vous parle pas d'une adresse blockchain, si on ne vous demande pas quelque chose, n'investissez pas, faites attention. À la rigueur, on n'est pas les seuls sur le marché, mais au moins, allez voir, il y a quelques plateformes qui existent en Europe et qui fonctionnent, allez voir ces plateformes-là. Et on l'a dit, on l'a répété, on a envoyé à l'AMF notre liste qui comportait 250 noms. Ça a mis du temps. Et sincèrement, il a fallu qu'on se batte, et je le regrette, pour que on se fasse entendre. Il nous a fallu du temps. Et on a continué pendant toute l'année 2018 à le répéter. Et on a continué à insister à faire venir ici des gens gratuitement pour faire des formations, pour leur expliquer ce que c'est que le Bitcoin, ce que c'est que l'Ether, comment ça fonctionne, quel est son intérêt, expliquer comment on sécurise aussi ces cryptos, parce que on ne peut pas le reprocher aux gens qui n'ont pas nécessairement une culture financière extrêmement importante. On est sur des sujets très novateurs en termes de produits sur lesquels il y a beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt, mais si on veut ne pas comprendre ou se faire, ou on ne fait pas l'effort de comprendre, et c'est pas péjoratif, c'est parce que c'est franchement pas évident, c'est plutôt facile de se faire berner. Et on a en effet reçu et aidé des gens à porter plainte. On a vécu des histoires assez dramatiques, de gens enfin, qui nous expliquent des histoires de vie qui sont tristes. Moi, je pense qu'en effet, les chiffres sont proches. J'espère qu'ils ne sont pas supérieurs à ça. Et j'espère surtout que, c'est une des raisons pour lesquelles on a été extrêmement demandeur auprès de l'AMF, de la CPR et de la Direction Générale du Trésor, d'une régulation. Parce que nous, on s'est dit qu'une des façons d'arrêter cette hémorragie, c'est aussi de, quelque part, de favoriser l'obtention d'un agrément, que d'ailleurs au début on souhaitait obligatoire, pour dire si vous voulez acheter, vous êtes obligé d'acheter auprès de gens qui font bien leur métier. Et c'est l'un des leitmotifs de notre approche autour de ces sujets. Une petite réaction d'abord, ce qui est intéressant dans cette partie de la discussion par rapport à la première, c'est que on s'appuie quand même moins sur les caractéristiques techniques des cryptos. C'est-à-dire que le caractère d'anonymisation, de pseudonymisation était important lorsqu'il s'agissait de brouiller les pistes, etc. Là, il y a une vraie innovation par rapport aux canaux traditionnels. Beaucoup de choses qu'on vient de dire, en fait, ne sont que le dernier avatar d'une espèce de cycle d'arnaque qui, tous les ans, a, j'allais dire, ça. Un visage nouveau. Il y a eu les options binaires, il y a eu le diamant. Voilà. Et donc là, à l'occasion de la décollage du Bitcoin, 2017 a été la saison de l'arnaque au Bitcoin. Et donc, ce qui est rassurant du coup, c'est que là-dessus, l'AMF, ça a été un petit peu dit, l'AMF a déjà tout un arsenal en fait qui existe, et il suffit de faire en sorte que les cryptoactifs rentrent dans les types de produits
qu'elle peut surveiller et sur lesquelles elle peut appliquer des mesures de rétorsion vis-à-vis de fraudeurs caractérisés pour lui permettre d'agir. Puisque là, on parle d'informations trompeuses, on parle d'escroquerie. Donc là, tout ça nous ramène vraiment dans un champ qui est plus connu, plus balisé. Et donc, on va malgré tout y apporter quelques petites modifications, mais ce sera beaucoup plus à la marge, alors que le cadre réglementaire, lui, doit être construit de A à Z. Mais encore une fois, là, on est dans quelque chose de plus connu pour la ligne. Justement, sur le cadre réglementaire aujourd'hui, oui. C'est ce qu'il faudrait prendre pour répondre en France, ou pour aller vraiment au niveau au-dessus Là-dessus, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais donc sur la répression de l'escroquerie, c'est des choses qu'on peut tout à fait faire nous-mêmes, parce qu'encore une fois, l'arsenal existe. Ce qui manquait, c'était de pouvoir caractériser les objets pour dire l'AMF peut aussi aller taper sur les sites qui proposent de manière frauduleuse ceci et cela. Et donc, après, ça peut se traduire par un débranchement du fournisseur d'accès Internet. Il y a vraiment tout un arsenal qui existe. En revanche, sur les autres aspects réglementaires, la question pouvait un peu plus se poser. Le parti qui a été pris, c'est de se dire il faudra facilement 1 ou 2 ans au moins pour que l'Union européenne se dote d'un cadre véritablement adapté aux cryptos, et qu'on n'essaye pas de faire uniquement rentrer les cryptos dans les cadres financiers existants. Donc ces deux années, on peut les mettre à profit pour essayer notre truc en France. De toute manière, on sait qu'il faudra le revoir et l'améliorer, et on verra bien dans 2 ans où on en est. En tout cas, d'ici là, ce qu'on espère, c'est qu'un écosystème aura pu continuer à grandir avec des maisons comme Greenhouse, et que d'ici là, on aura justement une voix qui porte lorsque le débat sera porté à Bruxelles. Après, la difficulté en France, c'est qu'on a des victimes, en fait, que ce soit le forex, le sang binaire, le placement des assurances, le vin, le manuscrit, le diamant 2015-2017, 2017 la crypto-monnaie, 2019 on n'a pas encore le produit, mais on me dit qu'on va avoir du placement dans les vins bordelais. La difficulté par rapport à l'législation, c'est qu'on a le matériel utilisé par l'escroc est basé à l'étranger. Les call centers sont basés à l'étranger. Les plateformes sont basées à l'étranger, les lignes BOIB sont basées à l'étranger, les noms de domaine utilisés sont basés à l'étranger. Donc la législation française, elle existe, hein, on a des outils pour lutter contre. La difficulté, c'est qu'il faut quand même se rendre compte qu'on est toujours avec un temps de retard par rapport à ces groupes criminels. Hein, et ils profitent de ce temps de retard, de quelques mois, pour ramasser en fait un chiffre d'affaires le plus conséquent possible sur un laps de temps très courant. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez raison, quand vous dites l'étranger, pas forcément hors d'Europe malheureusement. Ça peut être aussi au sein de l'Union européenne, sur les marges, on va dire, de l'Union européenne, mais au sein de l'Union européenne, ce qui pose d'autres types de problèmes de cohérence, de la supervision, de mise en œuvre de toutes ces régulations par les différents régulateurs nationaux. On a été assez surpris parce que du coup on a pu détecter les comptes les comptes et les adresses crypto des fraudeurs. Les comptes bancaires, de façon assez surprenante, certains étaient en Angleterre, dans des banques de premier plan. Au tout départ, ils étaient c'est vrai, dans des pays un peu plus lointains d'Europe de l'Est. On en a vu en Allemagne, on en a vu en Suisse, on en a eu en Espagne, on en a eu en Angleterre. De toute façon, c'est surprenant. En fait, plus l'escroc va ouvrir des comptes bancaires au niveau européen, mais sur un pays limitrophe de la France, plus ça va rassurer le client qui va faire un virement sur son compte. Enfin, la Grande-Bretagne est un pays sûr, oui, peut-être économiquement parlant, judiciairement parlant, loin d'une très bonne coopération. On voit depuis quelque temps, par les comptes espagnols, on voit énormément de comptes portugais, réceptacles de fonds, de fraude. Pourquoi le Portugal? C'est très simple, un cabinet d'avocat au Portugal pour 2 500 €, où vous propose et la société et le compte bancaire qui va définir le compte, qui va permettre de recevoir les fonds. Et ça, en 24 heures, vous pouvez avoir votre compte bancaire. Le ratio entre 2 500 €
en moyens matériels pour effectuer l'escroquerie, plus l'achat de nous-mêmes, plus la demande IP, plus le coût de la plateforme sur Internet. Et si on est à 10 000 euros grand maximum, le ratio est intéressant ensuite par rapport au chiffre d'affaires de la société. De la société qui va, ou du groupe criminel, hein, parce que ce groupe criminel aura derrière lui une société pour monter tout ce système. Oui, j'aimerais rajouter juste un petit élément. C'est intéressant parce que moi je dirais, voilà, il y a eu l'or, il y a eu le diamant, le vin, et maintenant il y a la crypto. Et en fait, c'est différent, c'est les mêmes schémas, mais c'est différent. Pourquoi c'est différent? D'ailleurs, c'est très intéressant cette idée-là de téléphone, c'est que la personne s'est fait arnaquer en somme toute parce qu'elle a fait confiance à la ligne téléphonique. Voilà, pareil, c'est la ligne téléphonique, et donc j'ai Nicolas Bouquet, On remarque que dans les crypto-monnaies, on a un moyen de communication qui est fondamentalement différent. Qui est en gros, je vérifie les signatures, je vérifie ma transaction, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas encore socialement vraiment, vraiment très logique. Et toutes ces arnaques-là, en fait, sont vraiment liées sur une mauvaise compréhension de la sécurité de ma communication. Je crois à la communication, voilà, je crois. L'information parce que je l'ai eu de façon par un canal que je crois. Et je pense qu'il y a vraiment un moyen, enfin, aujourd'hui grâce à la crypto, notamment le Bitcoin, on s'est rendu compte qu'on arrive, on cache rien, mais on arrive à mettre 100 milliards de dollars sans personne ne touche. Ça peut poser des questions sur se dire, mais comment est-ce qu'on comprend la sécurité? Donc voilà, dans Arc par exemple, maintenant on commence un petit peu à adresser ces problématiques-là, et voilà, 2019 c'est un peu notre objectif. Mais vraiment fondamentalement, je pense qu'il y a une maturité globale des personnes avec Internet qui sont vraiment nouveau, de la compréhension de la communication sur Internet, des réseaux sociaux, maintenant on parle avec des gens qu'on ne connaît pas en fait, quelque part, on est trop habitué à ça. Et je pense que en fait, mine de rien, la crypto-monnaie, la cryptographie, ça apporte, etc. C'est un point de bascule sur lequel il faudra pouvoir s'appuyer pour que les personnes, maintenant, quand elles commencent à communiquer, prennent une autre logique sur leur façon d'envisager leur sécurité et sur la façon dont elles croient les informations qu'elles vont recevoir. Voilà. Merci pour ça. Merci à vous tous d'être venus ici. Si vous avez, voilà, peut-être, je pense qu'on a un petit temps de questions-réponses. J'ai oublié de voir avec Brian, mais oui. Je pense qu'il n'en voudra pas. Si vous avez deux, trois questions à poser, c'est le moment. Oui, je me ferais avoir le sentiment, enfin, des représentants des pouvoirs publics. Parce que, c'est vous endurer si chacun se présente. Et donc, moi, je. Know your. Je m'appelle Gérard Rambi, je suis journaliste, je travaille pour Slate.fr. Et donc, moi, il y a quand même au départ dans les crypto-actifs, il y a une philosophie libertarienne. Il s'agit de faire en dehors des États. Donc, comment les États voient quelque chose qui est fait pour être déjà au départ en dehors d'eux, et si éventuellement, est-ce qu'ils ne considèrent pas que ça peut être fait aussi contre eux, quoi, ouais. Et donc, comment peut-on favoriser une activité qui, a priori, se construit en dehors ou à côté des États? J'ai l'impression que je suis visé. Mais en fait, je pense que c'est Nicolas qui a apporté la meilleure réponse tout à l'heure, en disant qu'au bout d'un moment, parce qu'ils sont en interaction avec des consommateurs, des investisseurs, qui, eux, ne sont pas forcément issus de ce milieu à la base, les prestataires de services, les acteurs, sont demandeurs d'un cadre réglementaire, vont vouloir se doter de statuts, vont vouloir devenir un petit peu plus lisible, on va dire, pour le commun des mortels, en dehors de la communauté initiale de geeks qui a programmé la première blockchain. Et c'est à ce moment-là, en fait, où soudain, on revient à une zone un petit peu hybride, ou en tout cas à un donnant-donnant, où les pouvoirs publics vont devoir faire l'effort de comprendre et d'intégrer cette nouvelle technologie au système financier actuel, et où, de leur côté, les acteurs vont devoir admettre
que ça ne pourra pas être une, on va dire, une anarchie pure et parfaite, mais il va y avoir des tiers de confiance, il va y avoir besoin de statuts, de labels, aussi légers et invisibles que possible. On s'y emploie, mais il va y avoir besoin de tout ça. Et tout comme quand on dit que la blockchain va totalement désintermédier un certain nombre de transactions, ce qu'on voit, c'est que il y a des variantes. Parfois, elle désintermédie totalement. Parfois, elle maintient les intermédiaires en place, mais elle fournit juste un support technique un peu différent. Et parfois, elle remplace les anciens intermédiaires par de nouveaux intermédiaires. Donc voilà, c'est pas totalement binaire. Et à fur et à mesure que l'écosystème mûrit, on voit justement toute cette diversité de cas. Si je puis compléter les propos de Geoffroy Cailloux, je pense que votre vision, votre analyse est respectable. Il y a en effet autour des cryptos à l'origine une certaine notion, donc pas mal de crypto-anarchisme, une certaine vision que c'est une totale révolution, une totale décentralisation. Ça, c'est un courant de pensée, il se maintient quelque part. À côté de ça, vous avez aussi un développement de la tokenisation d'actifs à travers les blockchains, notamment les blockchains publics, qui intéressent les secteurs financiers classiques. Et en fait, ce qu'introduisent les cryptos, c'est plus une désintermédiation d'un certain nombre aujourd'hui d'acteurs, une simplification de certaines transactions, une fluidité et des nouveaux services, plutôt que de proposer une anarchie globale qui consiste à dire vous possédez tout vous-même et vous faites tout vous-même, il n'y a plus de banque, il n'y a plus rien. D'ailleurs, si vous y pensez réellement, moi je trouve que c'est plutôt une régression. C'est-à-dire le système qui consiste à dire je possède sur mon propre système de sécurité de type un ledger l'intégralité de tout ce que j'ai, ça peut quand même commencer à devenir un peu inquiétant. Ça veut dire que vous avez tout votre patrimoine financier, si on imagine que des actions puissent être tokenisables, ce qui sera le cas, mais vous avez tout. Ça veut dire que vous pouvez aller dans la rue, vous possédez tout ce que vous voulez, et quelqu'un va vous tuer très vite. Dans le métro, on va vous attaquer pour vous voler vos biens. Donc très vite, vous allez revenir vers un système centralisé qui consiste à dire moi, je ne veux pas m'occuper de ma sécurité parce que c'est trop dangereux. Donc je préfère vous confier mes biens et vous m'assurer un service à côté qui consiste à me garantir que vous protégez mes biens. On est juste en train de changer d'acteur. À côté de ça, on ajoute des services supplémentaires. Vous n'avez pas besoin, quand vous payez avec un stablecoin en euros, vous n'avez pas besoin d'une carte Visa. Vous payez directement depuis votre téléphone, depuis une application, le boulanger ou n'importe qui. Vous pouvez percevoir votre salaire sans passer par un compte bancaire. Ça ajoute des services supplémentaires. La tokenisation d'actifs financiers qui consiste à dire vous prenez 10% d'un parc immobilier et vous en faites un token, ça peut rendre cet actif complètement liquide. Alors qu'aujourd'hui, si vous posez un appart et que vous voulez en tirer 10%, vous avez un bien qui vaut 200 000 euros, vous voulez en tirer 20 000 euros parce que vous avez besoin de ça, c'est pas possible. Vous êtes obligé de tout vendre. Tout vendre, ça va vous coûter de l'argent, vous allez avoir des frais de notaire, vous allez avoir tout un tas d'éléments à payer. Et bien, si vous pouvez tokeniser, si quelqu'un vous propose la tokenisation de ça et qu'une partie de votre bien peut se retrouver liquide, c'est vachement intéressant. Ça apporte des services supplémentaires. Vous avez toute une industrie financière qui peut se créer et une industrie de services, parce que je ne parle même pas des ICO au sens utilitaire, dont on a des représentants aussi. Vous pouvez créer des nouveaux systèmes de fidélisation. Ce matin, j'étais invité par PricewaterhouseCoopers pour un déjeuner avec un des candidats à la mairie de Paris. Et le sujet, c'était comment la blockchain peut redonner de la démocratie citoyenne, comment ça peut apporter des services aux citoyens et aux parisiens et parisiennes. Il y a plein de sujets autour de l'utilisation de systèmes de mobilité innovantes, autour du paiement de certains types de services, autour de la démocratie participative. Vous avez plein de sujets en fait qui sont hyper intéressants. On sort un peu du cadre là, crypto-monnaie et création, mais je ne crois pas qu'on
qu'en parlant de ça, on soit dans un système purement d'anarchisme. Je pense qu'on est surtout dans une évolution technologique. Et pour ça, toute évolution, il faut lui donner un cadre quand même. Et moi, c'est plutôt mon pari, plutôt que de parler de l'anarchisme. Moi, j'ai deux éléments rapides, éventuellement à rajouter. Un philosophique et un pragmatique. C'est vrai qu'on a l'impression que la décentralisation va contre la centralisation, de l'essence. C'est important. Si la monnaie, ce n'est pas un droit régalien, c'est que c'est un droit contre l'État. On n'imaginait pas, jusqu'à Bitcoin, que ça soit non pas quelqu'un d'autre qui soit derrière les manettes de monnaie, si ce n'est pas l'État. Là, c'est personne. Monsieur Bitcoin n'existe pas. Donc, il n'y a pas de. Si vous voulez, c'est pas un aspect, on va dire, il n'y a pas d'aspect offensif par rapport à la centralisation. Donc, ça, c'est le premier élément philosophique. Et l'autre pragmatique, qui est plutôt dans le cas du Bitcoin ou des crypto-monnaies, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas empêcher, à moins de mettre un policier derrière chaque personne qui en a un compte. Pour l'empêcher d'utiliser. Je vais pas filer mes éléments, m'inquiète un peu. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de. Vous ne pouvez pas arrêter. Les États-Unis voudraient interdire le Bitcoin, ils ne pourraient pas arrêter les serveurs. Impossible. Ils ne pourraient pas. Il faudrait arrêter Internet. Ce serait équivalent d'arrêter Internet ou d'arrêter l'informatique pour réussir à ce que les blocs ne se construisent plus. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Donc, soit vous interdisez l'utilisation et vous prenez le risque que si un jour votre légitimité en tant qu'État commence à prendre du plomb dans l'aile, que des gens vont s'orienter vers quelque chose qui est plutôt indépendant de votre légitimité, se reporte sur le code, soit vous l'encadrez, vous avez le droit de l'utiliser, etc., dans certaines conditions, et de pouvoir l'intégrer socialement. Et de favoriser une alchimie entre quelque chose qui existe, qui sera et sur lequel on n'a pas de limitation, et l'État en général. Voilà, c'est. Et puis pour rebondir sur le cadre législatif en termes de blanchiment de fonds de terrorisme, il existe, il faut l'améliorer dans le cadre de la crypto-monnaie, le renforcer. C'est pas ce qui m'inquiète le plus. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les termes de fraude, de la fraude. Il n'y a pas de. Il n'y aura pas jamais de cadre. Il y a un cadre législatif à la mesure où la fraude, elle est punie pénalement. C'est l'escroquerie simple, l'escroquerie en bande organisée. Mais derrière, l'utilisation d'une éventuelle crypto-monnaie, pas dans son existence, mais dans son usurpation, est inquiétante. Hein. C'est ce qu'on a vu depuis plus d'un an. C'est qu'on utilise des crypto-monnaies, on fait juste qu'usurper en fait, de la crypto-monnaie. Et là, c'est beaucoup plus inquiétant et la rigueur dangereuse. Parce que la fraude, elle peut être effectuée par des groupes criminels, mais peut être aussi effectuée par des futurs terroristes hein, pour alimenter leur cause. Hein. Et là, la difficulté, c'est que l'encadrement est difficile. Et pourquoi l'encadrement dans le matière de fraude est difficile, hein, encadrement législatif, hein, parce qu'on a affaire à l'usurpation d'identité pour la création de site, l'usurpation d'identité dans la création du site, hein, des sites, hein, avec des comptes bénéficiaires qui sont situés à l'étranger, détenus par soit au nom de personnes usurpées, soit au nom de personnes. Qui ont été utilisés comme ce qu'on appelle des hommes de paille. Et le danger réel, à mon sens, il est là. Il est là parce que la crypto-monnaie en elle-même, le Bitcoin, si on parle de Bitcoin, le cadre législatif, il existe. Oui, il va être renforcé, amélioré, et tant mieux. Mais la difficulté, c'est, à mon sens, l'aspect fraude. J'espère qu'il a répondu à votre question. Alors, oui, allez-y. Il y a pas de monsieur. Il y a pas de monsieur. Voilà.
Bonsoir Benoît, je suis avocat. J'ai une question très simple. Vous avez évoqué les différentes infractions pénales, l'escroquerie, le blanchiment et le conjoncturisme. Je voulais savoir si vous avez eu des cas de vol, tout simplement. Je sais qu'il y a eu des cas de piratage de plateforme, notamment aux États-Unis, avec des vols massifs de Bitcoin. Je voulais savoir s'il y avait eu des cas en France. Pas de plateforme en France, mais de plateforme à l'étranger, située à l'étranger, avec des auteurs en français. D'accord. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails. Hein. J'ai enquêté en cours. Parce que le Bitcoin est une monnaie très traçable. Oui. Est-ce que ça facilite Bien sûr. Beaucoup plus que le cash. Ouais. Bien sûr. Il y a des vols, oui, des vols également dans le cadre d'ICO, dans les smart contracts qui sont hackés, mais ce n'est pas les émetteurs qui vont venir se vanter. Après, on a aussi d'autres infractions qui apparaissent. On a des gens qui ont investi à la belle époque dans la bulle financière du Bitcoin, qui se retrouvent avec des portefeuilles bien moindres. Et là, on peut avoir des malfrats qui recherchent soit de racheter les portefeuilles à 10 ou 20%, 30% plus cher. On a fait le blanchiment par exemple, ça peut être une idée. Hein. Là, c'est le blanchiment. Dans le blanchiment, vous avez 100, vous n'allez pas blanchir 100, vous allez blanchir 60, 70, vous perdez 30 ou 40% de la valeur du blanchiment, du produit du crime, et vous allez pouvoir racheter un portefeuille qui est existant et qui va aussi intéresser le détenteur de ce portefeuille, parce que lui, au lieu de revendre actuellement son portefeuille qui vaut X et il a perdu 60-70%, il n'en perdra que 30%. Oui, là, c'est une possibilité. Mais là, il faut faire du. C'est un peu pareil que le ticket de PMU. C'est que le ticket gagnant de PMU, France des Jeux, c'est la même chose. On s'adapte juste à la nouvelle technologie. Mais là, il faut faire du local Bitcoin, parce qu'il faut être entre. Enfin, c'est l'équivalent du bon coin pour le Bitcoin. Il faut faire de gré à gré entre personnes. Après, il existe des rabatteurs. Chaque gros criminel, il y a des rabatteurs qui recherchent tout ce qui est vente d'espèces, vente de chèques en espèces. Et là, il existe des rabatteurs qui cherchent des gens qui ont des portefeuilles pour le racheter. On a aussi d'autres infractions qui peuvent apparaître. Des gens qui ont investi, des fraudeurs fiscaux qui ont investi dans le Bitcoin à la bonne époque, qui se retrouvent maintenant avec, depuis l'étranger, hein, mais toujours utile, ils veulent récupérer une partie de leurs fonds. Et là, vous avez d'autres équipes d'escrocs qui se rapprochent d'eux et qui, au lieu de le racheter avec la vraie monnaie, le rachètent avec la monnaie falsifiée et les portefeuilles à 2, 3, 4 millions. Ouais, donc j'avais une remarque et une question. La remarque, c'est dans votre propos introductif, vous avez cité le rapport de Tracfin qui donnait donc 240 cas, je crois, de signalement, et vous avez précisé en fait que c'était les banques qui l'avaient fait. Alors déjà, c'est des signalements. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir combien sont transformés réellement en infraction, parce que on connaît un petit peu quand même, on va dire, la bienveillance du système bancaire pour les cryptos. Donc est-ce qu'il n'y a pas une propension éventuellement à avoir une surdénonciation, si j'ose dire, ou un sursuspicion? Ça, c'était la remarque, en fait. Et par contre, la question, c'était l'arsenal juridique et réglementaire qui se prépare se met dans l'optique où on a effectivement des entités juridiques, par exemple, qui sont des exchanges. Or, aujourd'hui, même si ce n'est pas le cas, en fait, pour diverses raisons, il y a des exchanges décentralisés qui sont effectivement en train de se constituer. Et là, on n'a plus d'entité juridique, on n'a plus de personne morale, une entité juridique sur laquelle on peut effectivement... Donc, comment en fait, la législation va pouvoir s'adapter à ça? Je vous réponds sur la question 1. Ouais. Je vous laisse le voisin sur la 2. Tracfin reçoit à peu près, là actuellement, hors de mémoire, je crois que c'est de 70 000 déclarations de soupçons. C'est 70 000 déclarations de soupçons issues de professions assujetties, on va dire 85% à peu près, en gros, ils sont issus du monde financier. Sur ces 85%, toutes ne partent pas en enquête. Pourquoi? Parce qu'une déclaration de soupçon, si le soupçon ne vient que d'une profession derrière, en travaillant sur cette déclaration, les enquêteurs de Tracfin n'arrivent pas à déterminer d'autres éléments pour noyer l'information initiale. Cette déclaration de soupçon, sa note d'information qui pourra aboutir, n'aboutira pas en justice. Elle restera au sein de Tracfin. Pourquoi? C'est juste pour empêcher qu'une note d'information qui est issue que d'un soupçon ne peut pas aboutir à une enquête, à mesure où dans la note qui va sortir de Tracfin, tout de suite, on pourra constater que l'information initiale vient de telle profession assujettie. Bon, pour protéger les professions assujetties qui lient le professionnel à Tracfin, ils sont liés tous les deux à ce secret professionnel, Tracfin ensuite noie ce soupçon à l'origine dans d'autres éléments. Et s'il n'arrive pas à le faire, ce soupçon d'origine n'est pas détruit, il est juste archivé. Si 15 jours plus tard ou un mois plus tard, Tracfin reçoit une deuxième déclaration de soupçon,
liés au même individu, personne physique ou personne morale, ils vont ressortir la première déclaration, ils vont voir ce deuxième soupçon qui apparaît. Et là, on va commencer à pouvoir à travailler ces soupçons et à les agrémenter dans une note pour noyer l'origine de l'information. Alors, 240 déclarations de soupçons, si Thierry Pesnec investit dans du Bitcoin et très fin constate que mon investissement est lié à un dépôt d'espèces ou à un ticket gagnant PMU qui a alimenté mon compte et ensuite je vais chez CoinHouse pour racheter du Bitcoin derrière, c'est sûr que ma banque va faire une déclaration de soupçon à TrackFin. Mais derrière, si TrackFin n'arrive pas à noyer cette déclaration de soupçon dans l'enquête pas judiciaire, hein, du renseignement, mais dans une enquête administrative, la déclaration de soupçon nous concernant restera en archive, ne sera pas transmise en justice. Là, actuellement, sur 70 000 déclarations de soupçon, ne sont transmises en justice qu'à peu près un bon millier. Et sur ce millier, on va dire qu'il y a 50% qui partent en judiciaire et 50% qui partent à Bercy en niveau fiscal. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le reste, les 69 000 autres, disparaissent. Elles sont juste archivées parce qu'à l'instant T, peut-être dans le cadre d'une enquête en cours, on va interroger TrackFin pour savoir si les individus ciblés apparaissent dans une déclaration de soupçon, ou alors TrackFin peut-être que ressortira cette première déclaration dans 1, 2, 3 mois et pour alimenter un nouveau rapport. Est-ce que ça répond à votre... Ouais, ouais. Deuxième, les DEX, ce qu'on appelle les DEX, les centrales d'échange. Alors, techniquement, ce sont des plateformes lentes, avec peu de volume, peu de transactions. Donc là, tous les DEX, vous avez des volumes de 10 000 dollars par jour. Ça n'intéresse aucun blanchisseur d'argent, aucun. Alors, évidemment, c'est un élément, mais je pense que là, pour le coup, et puis il n'y a pas encore de technologie, on peut imaginer, on pourra augmenter ce genre de volume. C'est bien joli, pour le moment c'est effectivement naissant et c'est simplement pas exploitable. Ceci, on n'est pas. Rien ne dit qu'effectivement ça ne va pas pouvoir être amélioré et avoir effectivement des volumétriques qui soient plus raisonnables pour le business en question. Si je peux ajouter quelque chose sur ça, la plupart des DEX existants, les fondateurs sont des équipes qui sont connues et qui souvent sont en train soit de trop pédaler et d'essayer d'être compliant selon la juridiction dans laquelle ils opèrent, soit de changer la façon de custody des bitcoins des clients. Donc c'est pas encore une affaire qui est réglée pour l'instant. Pour l'instant, c'est un sujet à suivre, mais à mon avis, pour l'instant, dans le cadre du blanchiment, le problème ne se pose pas vraiment. Et puis on a pas mal de DEX qui se disent DEX, qui sont en fait... pseudo-centralisé, c'est-à-dire qu'en order book est centralisé, et là, de toute façon, vous avez un acteur qui accepte de l'argent et il est soumis aux réglementations qui existent par ailleurs. Pourquoi centraliser l'order book? Parce que c'est le seul moyen d'avoir des volumes et il a rapidité. Dernière question. Ouais, merci. Donc moi, c'est Laurent Lourenceau et je suis concepteur d'une solution qui permet de protéger la vie privée, qui s'appelle UniqueName et qui utilise la technologie ARC de François Xavier. Moi j'ai une question en fait, parce que ce que j'entends bien, c'est sous couvert de lutter contre la cybercriminalité, la fraude et le vol et l'évasion fiscale, etc. On tend à réappliquer les règles de l'ancien modèle, c'est-à-dire le KYC à outrance, l'identification des personnes. Et est-ce que finalement... en réutilisant ces procédures et ces systèmes-là, on n'est pas en train finalement de rebâtir un système qui va complètement à l'encontre et qui pourrait être amené à tuer demain finalement l'essence même de la technologie blockchain, qui était la technologie qui permettait l'économie décentralisée. Est-ce que finalement, ce qui risquerait d'arriver, c'est finalement de voir apparaître tout un tas de use cases qui sont plutôt des blockchains semi-privées ou privées, qui sont très intéressantes en utilisant la blockchain, mais qui n'ont pas cette dimension d'ultra-décentralisation qui offre des avantages que seul un système complètement anonyme et complètement décentralisé permettrait de faire. Il y a plusieurs éléments de réponse à ça. Je pense que on a des débats de temps en temps sur nous, on a décidé de s'auto-réguler. Les règles que l'on a mis en place, on les a développées, imaginées, et elles sont en effet issues de ce qui existe. Hein, et après,
on est obligé aussi de faire attention parce que, en plus, en tant que, qu'exchange crypto fiat, moi, si je fais pas de bonne vérification, je peux avoir éventuellement des chargebacks. Donc, du coup, je perds de l'argent, voire je peux mettre la clé sous la porte. Donc, j'ai aussi un business model qui fait que je suis obligé de vérifier un minimum de choses parce que je ne suis pas que crypto-crypto. Et de par ce service-là, j'offre aussi un service j'offre aussi quelque chose au marché qui me semble être nécessaire, puisqu'il faut bien posséder des cryptos au départ. Dans quelle mesure on peut faire confiance complètement et dire on laisse une partie de ces sujets. Sur les très gros montants, honnêtement, je ne sais pas, parce qu'il y a, une directive qui ne s'applique pas que à nous et qui est la quatrième directive pour la lutte contre le blanchiment, qui s'applique à tous les acteurs. Et derrière, la sanction, elle est pénale. Et ça s'applique à cette industrie et je ne vois pas vraiment comment faire autrement aujourd'hui dans l'État. Dans l'État, en tout cas, de l'art. On pourrait imaginer quelque chose qui vient se plugger avant nous, qui est une espèce de blockchain KYC, dans lequel chaque personne est identifiée ou a une note, ou on sait qu'elle a le droit d'opérer. Et ensuite, en effet, elle peut opérer dans tous les services à partir du moment où elle est authentifiée par un jeton. Et nous, on ne fera qu'utiliser ce genre de service. Tout ce qui permet de faciliter notre usage, notre expansion et de faciliter l'adoption des cryptos, nous, on est pour. Et je suis conscient aujourd'hui que les règles qu'on s'est nous-mêmes imposées nous limitent dans notre business. Si je veux faire plus de chiffre d'affaires et être beaucoup plus rentable, il suffit que je laisse passer des choses sur la plateforme. Mais en même temps, si vous faites ça, vous allez aussi avoir plein de fraudes à la carte bancaire, plein de problématiques à gérer, plein de questions sur le support. Donc il y a une espèce de juste milieu à trouver. Et au-delà d'un certain montant, je suis lié à des directives qui ensuite m'imposent des sanctions pénales auxquelles, de toute façon, en tant qu'homme responsable et chef d'entreprise responsable, je n'irai pas contre. Donc, oui, quelque part, mais je vous ferai ensuite en second point ma réponse que j'ai apportée tout à l'heure à monsieur, qui est de dire, ne voyez pas dans le KYC ou dans l'AML la limitation au problème. Voyez plutôt ce que ça peut vous apporter en termes d'usage. Le fait que je vous propose des produits financiers qui soient complètement différents, des liquidités nouvelles, qu'on puisse apporter à travers des utility tokens, à travers des STO, tout un tas de services supplémentaires, moi je trouve ça vachement bien. Ça créera de l'emploi, ça créera des usages pour les gens. Et je vois plus ça comme étant la finalité, plus qu'un système dans lequel... Je suis d'accord avec toi. Après, on y va, quoi. Après, moi, j'ai eu plusieurs fois affaire au processus KYC, parce que quand tu t'inscris sur un exchange, maintenant, tu es obligé de le faire. J'ai aucune confiance dans là où va ma carte d'identité, en fait. Un jour, j'avais caché le numéro sur ma carte d'identité. Ils m'ont refusé, ils m'ont dit non, il me faut le numéro. Quelle confiance je peux avoir en vous, en fait. On utilise des systèmes qui sont ceux d'Adyen ou d'Atos ou Online. Après, on fait appel à. Eh bien, on retourne dans les CTR. On refait le jeu du système centralisé. C'est bien mon point, mais je suis d'accord avec toi. C'était un moment, il y a des euros, et tant qu'il n'y a pas de stablecoin, sauf si l'État a vraiment très envie, avec le Open, d'avancer sur ce sujet qui vient d'accord. Non, il y a un vrai problème, en fait, c'est que moi, personnellement, j'ai mes identifiants, tout ce que vous voulez, dans trois banques différentes, deux néobanques, des assurances, les URSSAF, voilà. En plus, au niveau de l'État, on centralise ça pour faire du data mining, etc. Dans deux ans, trois ans, tout le monde va être étonné. Oh, dis donc, toutes les données sont sur la place publique parce que ça a été hacké. Suivez mon regard, Equifax. Alors du coup on a fait un KYC, on sait tout le monde, et du coup tout le monde le sait, on peut voler mon identité. On a fait un KYC et maintenant on vole l'identité de tout le monde. On est en face d'un vrai problème où la législation, elle veut régler un problème et en créer un autre pour plus tard éventuellement, où en fait on va se rendre compte qu'on va plus facilement voler l'identité alors qu'on a justement amélioré les procédures pour
pour être sûr que les procédures de KYC. Donc c'est vrai, il y a encore un hic, encore une fois, pour savoir jusqu'à quel point est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose d'intelligent à faire pour essayer de ne pas stocker les données en tant que telles, donc pas de vol, mais par contre être sûr quand même d'avoir à l'affaire à la bonne personne sans avoir besoin de stocker les vraies données. Moi je vais illustrer mon propos par deux exemples. Déjà, premièrement, est-ce que CoinHouse accepterait d'avoir un système permissif et prendrait le risque d'être complice, auteur ou co-auteur d'un blanchiment ou d'un acte de financement de terrorisme? Pas sûr, je suis pas sûr du tout. Deuxième point, on va prendre la crypto-monnaie qui est d'évolution récente. Prenez les banques à la fin des années 90, début 2000. Elles étaient au balbutiement de la lutte contre le blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme. Le blanchiment stricto sensu, c'est 1989, 88 par les douanes, 89 ensuite par les textes et 90 par la création d'office, des TRACFIN. On a 28 ans d'existence, c'est très récent. Les banques, à la fin des années 90, début 2000, la lutte contre le blanchiment était assez balbutiement. Et qu'est-ce qui a fait évoluer les choses? Ce sont des dossiers judiciaires en mettant en examen certaines grandes banques françaises. C'est ce qui a fait évoluer les choses. Deuxième exemple, les cartes prépayées anonymes imposées par l'Union européenne en 2007-2008. Très bien. À l'office, on demande notre avis sur la carte prépayée anonyme et les seuils que l'on pourrait imposer. On voit le produit arriver. Et quand vous connaissez la matière, on ouvre la boîte de Pandore. C'est ce qui s'est passé. On a un seuil à minima de 500 euros de mémoire. Tant qu'avis hein, de service spécialisé, soit ça n'a pas été tenu, on a mis le seuil à 2500 euros au tout début. Que s'est-il passé? On a attendu 2015, les attentats de 2015, l'utilisation de cartes prépayées anonymes dans le cadre du financement, où sommes-nous actuellement sur les seuils? On est sur 250 euros et la prochaine directive, ça va être 150 euros, les cartes prépayées anonymes. Vous voyez, la connaissance. Et là, le cartes prépayées anonymes, on est sur l'absence de connaissance client, en fait, finalement. Et la difficulté, c'est. Et je comprends que vous perdiez le sens de la philosophie de la crypto-monnaie, mais vous voulez mettre le curseur. Hein. Mmh, c'est un vrai débat de société. Ça veut dire que pour vivre en sécurité, il faut accepter d'être vivre tracé par un État ou par un organisme centralisateur. À nouveau, c'est pas qu'un problème de crypto-monnaie, parce que l'authentification, vous l'avez sur tous les services. On peut rajouter ça au débat national si honnêtement, je ne sais pas vraiment comment faire. Nous, comme je vous dis, on ne va jamais aller à l'encontre de règles qui permettraient de financer. Des activités. Là, ça m'amène une autre question qui était un peu liée, et j'ai plus de questions après. On voit apparaître des réglementations dans chaque pays, et chacun fait du mieux qu'il peut pour essayer de trouver une manière finalement de lutter contre le blanchiment ou contre le terrorisme. Et on s'aperçoit que finalement, des limites, c'est un peu ce que vous exposez, c'est-à-dire qu'il y a encore des pays qui adhèrent pas ou qui sont plus laxistes ou qui ont des règles un peu différentes. Est-ce que finalement, la blockchain et la technologie blockchain n'a pas un rôle à jouer là, qui est par définition et par essence en fait une technologie borderless, c'est-à-dire sans frontières, pour lesquelles les règles s'appliquent à tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion de fond à voir comment cette technologie pourrait profiter dans un cadre international pour lutter contre ces systèmes-là, en fait, contre ce problème? En fait, on voit que les pays interviennent chacun de leur côté, alors qu'il y a un outil qui existe et qui a été inventé il y a une dizaine d'années pour essayer de fédérer les peuples. Au-delà des frontières, qui s'appelle la technologie blockchain. C'est certain que si vous avez un comportement identique à ce que nous, on cherche à mettre en place, ce qui est mis en place par le gouvernement partout dans le monde, vous n'avez pas de blanchiment possible. Parce qu'on est les gatekeepers, en fait, au système blockchain, donc on peut laisser ensuite les gens à l'intérieur du système faire ce qu'ils veulent, parce qu'à partir du moment où ils veulent rentrer ou sortir, ils sont contrôlés. Contrôlés suivant des règles. En fait, après, il faut accepter la notion de contrôle. Mais du coup, si partout dans le monde il n'y a pas de point d'entrée, que ce soit dans des pays même à juridiction plus compliquée ou en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, là vous avez une protection globale et ensuite vous pouvez permettre vraiment aux gens
d'échanger et d'avoir une vraie, sans doute un vrai côté d'usage libre de la crypto. Donc oui, la réponse est en vrai, comment on le fait? Est-ce que l'État français tout seul ou avec le support de l'Europe peut aller voir la SEC, peut aller voir le gendarme japonais et pire, la Chine? Je me sens visé, du coup, je... C'était pas une attaque, plus, hein. L'État français, même seul, peut faire beaucoup de choses. Mais non, pour être sérieux, je pense que ce que vous décrivez, monsieur, c'est peut-être... ça correspondrait à un état du monde dans lequel une technologie, il faudrait savoir laquelle déjà, parce que vous dites la blockchain en général, mais il peut y avoir des blockchains concurrentes, mais admettons dans un monde idéal, je ne sais pas s'il est idéal, mais en tout cas utopique, qui est un seul système qui soit présent dans le monde entier et qui permette de faire tous les achats, à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus d'interface. Il n'y a plus d'interface avec d'autres systèmes, il n'y a plus d'interface avec le système traditionnel, avec la monnaie fiat, etc. Mais évidemment, tout l'enjeu, ça va être comment on fait advenir ce stade ultime et qu'est-ce qui se passe dans la transition. Et la transition, d'une certaine manière, a déjà un petit peu commencé. Et dans cette transition, il n'y a que des interfaces partout, partout, partout. À chaque fois qu'il va falloir échanger de l'euro, du dollar, du yen contre des bitcoins, contre autre chose, etc., on va demander dans quelles conditions ça se fait. On n'a pas trop parlé de fiscalité ce soir, mais c'est aussi un enjeu. Dans quelles conditions fiscales, dans quelles conditions comptables, etc., etc. Et c'est là où on revient à la question de, selon l'endroit où on se trouve, des règles différentes vont s'appliquer. Alors on a bien ce sujet en tête, et déjà on a l'avantage, nous, France, d'avoir ce vecteur, on va dire, d'harmonisation qu'est potentiellement l'Union européenne. Ça sera, je pense, dans un an ou deux. Et encore au-dessus de l'Union européenne, aujourd'hui, il y a des discussions en G20, à travers le G20, au GAFI, pour espérer que le monde entier puisse marcher d'un même pas. Merci pour la conclusion. Merci à tous.